suis Carmela Meyer. Je suis l'administrateur gérante de Plantman Producer Organization, qui est une coopérative agricole. Nous avons 6 membres, tous producteurs de baies et de fruits tels que la pomme. Nous utilisons les caisses d'Olav pour la cueillette et le stockage des fruits. Elles sont donc multifonctionnelles. Elles sont idéales à manipuler dans le verger sur un système de train pour la récolte qui les achemine vers nos entrepôts pour y être stockées pendant une longue période. Ce qui nous a poussé à utiliser les Dolav, c'est leur grande durée de vie. Nous utilisons les Dolav depuis plus de 30 ans. Elles sont faciles à manipuler et légères, ce qui réduit les frais de transport. Et elles sont faciles à nettoyer. Elles évitent même les contaminations croisées et sont idéales à stocker et à gerber. Les caisses Dolav sont idéales pour le stockage à long terme parce qu'elles sont faciles à gerber. Elles ont à chaque coin des plots de gerbage pour sécuriser l'empilement. On peut donc les gerber encore plus haut et de manière plus sûre que les caisses en bois. Un autre avantage des Dolav est qu'elles peuvent être recyclées, ce qui n'est pas le cas des caisses en bois avec leur durée de vie limitée à 5 ans. Le filet anti-grêle protège non seulement la culture, mais aussi permet de réduire les parasites d'été, car nous avons aussi fermé le verger sur ses côtés, ce qui veut dire moins de pulvérisation de pesticides qu'auparavant. Et c'est gagnant-gagnant sur les deux tableaux. Avec l'aide de subventions européennes, depuis les 3 dernières années, nous avons été en mesure de faire financer 50% de nos caisses Dolav. Ceci va nous permettre de lever des fonds supplémentaires pour nos futurs achats de caisses, à peu près 1 millier par an. Nous approvisionnons des supermarchés tels que Sainsbury's et Morrison's. Nous avons aussi un contrat avec le programme des fruits et légumes pour les écoles, grâce auquel chaque enfant entre 4 et 6 ans reçoit un fruit gratuit par jour. Nous stockons les fruits pendant plus de 6 mois dans des entrepôts à atmosphère contrôlée où le niveau d'oxygène est diminué et celui du dioxyde de carbone est augmenté pour que le fruit ne respire pas et ne mûrisse pas, pouvant être ainsi conservé plus longtemps. Les vergers de pointe à exploitation intensive nous permettent d'obtenir un rendement de 50 à 60 tonnes par hectare, contre 15 à 20 tonnes pour les anciens types de vergers. Donc, avec l'aide des subventions de l'Union européenne, nous augmentons nos rendements et nous diminuons nos coûts de production. Nous avons une centaine d'hectares de fruits, dont 33% ont été replantés, avec un programme de replantation pour le reste du terrain pour les prochaines années à venir.